Twitter. Au studio Béatrice Baoulé, la maison Georges Ravery, qui Karel Bokwana Mongala, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Nouvelle édition d'information, les titres. À la une de l'actualité de ce 8h, le vaste coup de filet des éléments de la police d'investigation judiciaire. Ils viennent de mettre la main sur les auteurs présumés de l'homicide au cours d'une rixe d'un compatriote à Mindoubé et deux braquages à l'arme blanche ayant occasionné mort d'homme au lycée Paul Ingenier Goudjou et derrière l'ambassade du Cameroun. Après l'estuaire et l'Ogoué maritime, le gouvernement, avec l'appui financier de la Banque mondiale, vient de boucler par la province du Moyen-Ogoué la série de remises des sites aux entreprises adjudicataires et procéder au lancement officiel des travaux de réhabilitation des forages dans une vingtaine de villages, regroupements de villages et districts. Enfin, au Niger, la Cour constitutionnelle déclare Mohamed Bazoum vainqueur du second tour de la présidentielle du 21 février dernier avec 55,66% de suffrage. Voici pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information, la seconde et dernière grande session de la matinée sur Radio Gabon, la référence. Le déroulement normal de l'actualité, Guy Carrel, nous ouvrons ce 8h par cette forte actualité. La police d'investigation judiciaire vient de mettre la main sur quatre membres, dont un jeune homme, quatre meurtriers, dont un jeune homme de 19 ans. Selon notre confrère du quotidien L'Union, les éléments de la police judiciaire viennent en effet de mettre la main sur les auteurs présumés de l'homicide au cours d'une rixe d'un compatriote à Mindoubé et deux braquages à l'arme blanche ayant occasionné mort d'homme au lycée Paul Ingenier Goudjou et derrière l'ambassade du Cameroun, Issa Steve Mefan. Alors, moi je vais m'intéresser principalement à Charlie Mbirondo, 37 ans, ancien pensionnaire de Gros Bouquet, présumé meurtrier en juin 2020 du nommé Rodrigue Obanga à Mindoubé, dans le 5e arrondissement de Libreville. C'est suite à une vive altercation au cours de laquelle Mbirondo va se servir d'une bouteille pour assommer son antagoniste. Le coup est hélas mortel, c'est en passant par les rails avant d'arriver au PK12. Il apprendra d'une dame qui le connaît que son adversaire est décédé la veille. Par la suite, il va se retrouver à Bitama, dans le chef-lieu du département d'Untem, où les agents de la police judiciaire vont l'interpeller en début de semaine dernière. Et ça, Steve Mefan. Pour la suite de cette édition d'information, nous parlons de la situation que traversent les employés de la CNI, la compagnie nationale de navigation intérieure et internationale. Depuis 8 mois, ils sont sans salaire et pour manifester leur mécontentement, ils ont décidé d'arrêter toute activité au sein de leur entreprise, une situation qui n'est pas sans conséquence. De Port-Gentil, nous avons la correspondance de Ludwig Njembi. C'est donc le jeudi 18 mars 2021 que les employés de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, CENI, sont rentrés en grève illimitée. Parmi les revendications évoquées par ces employés, le non-paiement des salaires depuis 8 mois, le non-respect de l'octroi des congés annuels.
Aujourd'hui, nous sommes en grève tout simplement parce que nous avons 8 mois de salaire impayé, nous avons des arriérés de salaire et cette situation perdure depuis environ 3 ans. Et là, elle s'est vraiment empirée parce qu'aujourd'hui, nous n'avons jamais vécu comme nous vivons maintenant. En fait, il faut dire une chose, 2020, nous avons eu 6 salaires sur 12. Sous la gestion de M. Ngueba, qui est arrivé du Covid-19, avec le manque d'outils de production, on n'arrive plus à pouvoir payer les salaires des employés. Vraiment, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Nous avons les enfants qui sont dehors, qui n'apprennent plus. Plusieurs de nos collègues, ils ont été chassés des loyers parce qu'ils n'arrivent plus à payer. Et vraiment, cette situation est vraiment déplorable. Maintenant, aujourd'hui, je crois bien que nous sommes dans l'obligation de crier un peu pour que le Haut-Lieu puisse nous entendre, qu'ils nous viennent en aide. Aujourd'hui, il y a des agents de la CENI qui deviennent incrédibles au quartier, qui dorment dans les véhicules abandonnés, d'autres qui sont dehors avec les enfants, tels que moi. Je rentre hier soir, je sors de la grève hier soir, je rentre à la maison, malheureusement, on m'a chassé les enfants de l'école. Notons que la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, CENI, a été créée en 1978. Elle exerce dans les transports du personnel et les frettes entre Port-Gentil et Libreville, et anciennement à l'intérieur du pays, à savoir dans le Fernavaz, à l'Ambaréné et Ndjolé. Elle emploie actuellement plus de 300 personnes. Radio Mandji, Ludwin Djembi pour Radio Gabon, la référence. Merci également de l'actualité. De ce lundi, les travaux de réhabilitation de l'axe Kougoul-Medouno qui vont bon train, Guicarel. Sur le terrain, l'ensemble des entreprises adjudicataires s'activent à livrer ce vaste chantier dans les délais. Après l'ensoleillement mécanisé, les techniciens et ouvriers des quatre entreprises de BTP procèdent actuellement au reprofilage et rechargement de la chaussée. C'est du moins ce que nous rapporte notre reporter Ahmad Beni Evaka. Sur ce linéaire de plusieurs kilomètres, les quatre entreprises commises par l'État, dont Blud BTP, sont à pied d'œuvre pour livrer le chantier dans les délais. Un de ces ingénieurs nous indique ici les étapes déjà réalisées sur les 40 kilomètres qui lui ont été attribuées. Là, nous sommes sur un linéaire de 15 kilomètres. Là, nous sommes en train de faire un reprofilage et un rechargement partiel et également en train de faire des ensoleillements mécanisés. À vue d'œil, ce chantier est exécuté en tenant compte de certaines exigences en la matière, et ce malgré les difficultés rencontrées sur le terrain. Sur le linéaire des 15 km, nous avons déjà réparé plus de 8 brouillés. Et là, nous reste 25 km pour atteindre les 40 km. Il y a une équipe tout au fond qui est en train déjà d'aménager les ponts. Nous osons espérer que les 4 mois, nous allons les respecter, comme le dit le cahier des charges. Les populations, de leur côté, espèrent que ces travaux iront à leur terme pour faciliter leur déplacement de Kougoul-Medouno vers Medouno sans stress ni pression liée au mauvais état de la route. S'il n'y a pas la voiture, on marche de Kougoul-Medouno jusqu'ici à pied. Donc nous voulons que vraiment des gens qui ont commencé à faire ça, qui n'arrêtent pas, que l'État gabonais fasse sortir de moyens pour que la route puisse continuer jusqu'à la fin. Pour rappel, ce taxe routier fait partie des priorités du gouvernement à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Les déplacements des populations seront plus fluides et l'activité économique sera plus ou moins relancée. Journal également la commémoration aujourd'hui même, aujourd'hui lundi 22 mars 2021 de la journée mondiale de l'eau. Une journée célébrée, il faut le rappeler, depuis 28 ans. Elle met en exergue l'importance de ce précieux liquide, source de vie. Retour dans ce journal sur les enjeux de cette journée avec Nick Jocelyn Fouba. L'un des principaux objectifs de la journée mondiale de l'eau est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement numéro 6, eau propre et assainissement pour tous d'ici 2030. Cet objectif est encore loin d'être atteint, surtout au sein des pays en voie de développement. Dans ces pays, l'eau liquide précieux est encore un luxe. Plusieurs familles reçoivent dans leur ménage une à deux fois par semaine ce liquide. D'autres attendent toute la nuit la source de vie. Le développement économique et l'augmentation de la population mondiale signifient que l'agriculture et l'industrie ont de plus en plus besoin d'eau et que la production d'énergie gourmande en eau augmente pour répondre à cette demande. Cette année, la Journée mondiale de l'eau a pour thème la signification de l'eau pour la population, sa véritable valeur et la manière dont nous pouvons mieux protéger cette ressource vitale. La valeur de l'eau dépasse largement son prix. L'eau a une valeur incalculable et complexe, soit pour notre foyer, pour notre culture, pour notre santé, pour notre éducation et pour notre économie. Nick Justin Fouba, pardon, justement, d'hydraulique villageoise pour la suite de ce 8 heures. Après l'estuaire et l'ogué maritime, Guicarel Bokwana Mongala, le gouvernement de la République, avec l'appui financier de la Banque mondiale, vient de boucler par le moyen ogué une série de remises de sites aux entreprises adjudicataires. Oui,
Et le gouvernement a également procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation des forages dans une vingtaine de villages, regroupements de villages et districts. Le point avec Achille Mwanda Moussouti, notre envoyé spécial. Le regroupement des villages Tchatonga et les villages Aloa, Tambe et Pointe-Élise dans le département de Logoué-des-Lacs, dans le Moyen-Ogoué, verront bientôt leurs ouvrages hydrauliques refectionnés. L'entreprise adjudicataire procédera à divers endroits pendant plusieurs semaines aux installations des panneaux solaires, des nouvelles pompes à motricité humaine, construction des châteaux d'eau et traitement des forages, ainsi que l'extension des réseaux. Le coordonnateur et chef de projet accès aux services de base en milieu rural et renforcement des capacités dresse le bilan. Ange Mavungumbumba. De façon globale, c'est une tournée plutôt satisfaisante, puisqu'il était question de remettre 27 sites à deux entreprises. La première entreprise avait 10 localités et la deuxième 17. Sur l'ensemble, tout ce que nous pouvons regretter, c'est la difficulté d'accès à la localité d'Iwande, où nous n'avons pas pu accéder du fait des contraintes naturelles. L'accès est fermé, mais dans tous les cas, pour ce qui nous concerne, nous estimons que les 26 localités qui ont fait l'objet de remise devaient voir leurs travaux démarrer incessamment. Sur le volet pérennisation de ces équipements, au niveau du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, la Direction générale de l'eau, à travers la Direction de l'hydraulique rurale, a un service chargé de la maintenance des équipements hydrauliques sur toute l'étendue du territoire. Mais pour ce qui concerne le PASMIR, cette direction travaillera en collaboration avec les conseils départementaux. Elle commencera par renforcer les capacités de ces conseils départementaux et ensuite elle accompagnera ces conseils départementaux pour effectuer les dépannages de moins d'importance. Aussi, les populations ont-elles été sensibilisées sur le mécanisme de gestion des plaintes? Il s'agit d'une plateforme qui permet au projet de recevoir des réclamations, mais aussi de gérer au mieux toutes les plaintes ou toute autre préoccupation qui pourrait être posée par les bénéficiaires d'abord, ensuite par toutes les personnes qui ont intérêt à agir dans le processus de réalisation des travaux que nous avons engagés dans les différentes localités. Ces travaux, initiés par le gouvernement gabonais avec l'appui financier de la Banque mondiale, évalués à un peu plus de 320 millions de nos francs, vont durer 1 à 4 mois. Sur le chemin du retour à Lambaréné pour Radio Gabon La Référence, Achille Mwanda Moussouti. À Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogoué, la célébration de la journée mondiale de l'eau n'est pas passée sous silence. Guy Karel Bokwana-Mangala. 48 heures avant la commémoration de la dite journée consacrée à l'eau, les équipes du laboratoire de recherche multidisciplinaire en environnement ont organisé une série d'activités à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, USTM. L'initiative a réuni plusieurs acteurs du monde de l'eau. Les détails avec Armando Ingozogo. La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger, le thème a fait l'objet de plusieurs communications à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, à l'initiative du laboratoire de recherche multidisciplinaire en environnement. Docteur Adélaïde Eketima, enseignante-chercheur en microbiologie. La présentation du laboratoire organisateur de la journée avec le docteur Norbert Ndonzwe Abaga, qui a décrit les équipes et l'objectif principal du laboratoire, qui est l'étude des impacts environnementaux et anthropiques de l'air, de l'eau et du sol. Le docteur Donald Romaric Rotembo Mboro a exposé les résultats d'une enquête menée auprès de la population du quartier Mbaya sur l'utilisation des fontaines publiques et leur perception de la qualité de l'eau. Le laboratoire de recherche biochimie, la Rebio, avec le docteur Cédric Sima Obian de l'USTM, nous a présenté l'eau comme écosystème avec l'utilisation des tétards pour évaluer le seuil de toxicité des molécules actives extraites des plantes médicinales. À ce panel d'universitaires s'est ajouté d'autres acteurs qui interviennent dans le domaine de l'eau. Nous avons ensuite eu l'opportunité d'accueillir l'Agence gabonaise de normalisation avec son chef de délégation régionale du Haut-Ogoué et de l'Ogoué-Lolo, M. Kombila Imar Séverin, qui nous a présenté l'ensemble des domaines d'action de la GANOR. La SEG, avec M. Ibouyi, Jean-Christian, a parlé de la potabilisation de l'eau. Puis, nous avons fait la rencontre d'un nouvel acteur privé, IMDG, intérim mis à disposition Gabon, avec le M.
Corbet Sylvain et M. Lavigne Jean-Philippe, qui travaillent sur la production des modules de traitement autonome de l'eau, dont la fabrication sera entièrement réalisée dans le Haut-Ogooué. C'est la première fois que le laboratoire de recherche multidisciplinaire en environnement commémore la Journée mondiale de l'eau. Pour des raisons académiques, l'événement a été célébré 2 jours avant la date officielle et les activités organisées à cet effet ont respecté les mesures barrières de lutte contre la COVID-19. Il est 8h16 sur Radio Gabon. La référence, ce journal se poursuit pour dire que la COVID-19 et les stratégies mises en place par le gouvernement de la République pour freiner la propagation du virus nous intéressent. Parmi ces stratégies mises en place par le gouvernement, il y a entre autres les checkpoints dont l'efficacité à certains endroits n'est plus à démontrer, notamment au point kilométrique 58 où les éléments de la gendarmerie nationale travaillent de façon à faire respecter toutes les consignes de la hiérarchie. Tous les passagers en provenance de Libreville et ne remplissant aucune des mesures exigées pour voyager sont systématiquement sommés de refaire demi-tour. Constat Hamad de Benievaka. Il est à peine midi lorsque nous arrivions au poste de contrôle du PK58, un checkpoint principalement constitué des éléments de la gendarmerie nationale. Ici, tout véhicule en provenance de Libreville et en partance pour l'intérieur du pays doit systématiquement marquer un arrêt afin de permettre aux usagers de présenter aux agents en uniforme leur test PCR COVID-19 négatif et leurs autorisations spéciales pour tout déplacement. Adjudant Fabrice, Mikala Moussavou. Donc lorsqu'on part de Grand Libreville, on part de Libreville jusqu'à Tour. Dépasser Tour, nous emmenons dans le sueur. Donc ceux qui veulent partir de Grand Libreville pour l'intérêt du pays doivent être munis nécessairement du test Covid de négativité, donc qui a une durée de 7 jours. Depuis le début de cette opération diligentée par le gouvernement, les éléments affectés à ce checkpoint se félicitent de n'avoir laissé passer aucun compatriote, soit-il un ancien haut responsable de l'administration gabonaise. Les Gabonais, ils pensent que peut-être que c'est une affaire de la gendarmerie, alors que c'est le gouvernement qui prend les décisions. Monsieur Manga Moussava qui est refoulé, en l'occurrence, je peux me citer encore le procureur de la République sortant, tous ont été refoulés parce que ce sont des autorités, on doit vous montrer l'exemple. Voici qui devrait rappeler à tous la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures restrictives prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. À présent, faisons le point de l'actualité en international et pour ce traditionnel tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières, Issa Steve Méphane, mais d'abord, bonjour Issa. Bonjour Guy Carrel. Et on débute donc par le Niger avec la confirmation par la Cour constitutionnelle de la victoire de Mohamed Bazoum au second tour de la présidentielle du 21 février dernier. Mohamed Bazoum, vainqueur du second tour de l'élection présidentielle du 21 février dernier avec 55,66% des suffrages. L'opposant Mahamane Ousmane du RDR à Tchandji recueille 44,34% des voix. Le taux de participation était de 62,81% selon les résultats définitifs du scrutin. Hier dimanche, le candidat de l'opposition est resté silencieux. Les cadres de l'opposition se sont rencontrés dans la soirée pour parler de la suite ce lundi matin. La cérémonie d'installation de la nouvelle assemblée doit se tenir et celle de l'investiture de Mohamed Bazoum est prévue pour le 2 avril prochain. Alors, on retient le nom du nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum. La courte pause et les nouvelles de sport. Avec David Maguena. Bonjour David. Bonjour Chris, bonjour à tous. Et le processus de normalisation de la Fédération Gabonaise de Taekwondo a pris fin hier, David, avec l'élection de Denis Mbumba. Oui, après plus de 3 ans de léthargie, la Fédération Gabonaise de Taekwondo a un nouveau président fédéral. Il s'agit de Maître Denis Mbumba, l'ancien président de la Ligue de l'Est. Hier a obtenu 4 voix sur 7, soit un pourcentage de 57,14%. Le nouveau président a décliné son programme pour les 4 prochaines années. Denis Mbumba.
Aujourd'hui, c'est le Taekwondo qui a gagné. Nous avons préparé cette élection pour relancer le Taekwondo gabonais. Avec cette victoire, c'est nullement la victoire de Denis Mbumba, c'est la victoire de toute la famille du Taekwondo pour la réunification. J'aurai besoin de toutes les forces du Taekwondo, de toutes les connaissances pour m'accompagner dans cette lourde mission. Donc ce qui est sûr, c'est que mes challengers d'aujourd'hui, je vais travailler avec tout le monde pour la bonne marche de notre discipline. Les défis déjà, c'est de vite relancer le Taekwondo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, vu la Covid, il n'y a pas de compétition, mais déjà mettre en place un mécanisme, il faut déjà faire le tour des provinces, déjà voir l'état des lieux, de ce qui se passe là-bas, et ensuite se mettre au travail. Voilà, le nouveau président de la Fédération Gabonaise de Taekwondo, Denis Mbumba. On termine par du basketball. Début ce lundi 22 mars 2021 à Mouila d'Alangounié, d'un séminaire de formation à l'intention des officiels et techniques de la balle orange. Cette formation est organisée par la Fédération Gabonaise de Basketball en collaboration avec l'Office National du Développement du Sport et de la Culture. Sur le bien fondé de cette formation, on écoute le responsable de la communication à la Fédération Gabonaise de Basketball, Aimé Manix Mondjo. Il s'agit d'une formation qui est adressée aux coachs, aux officiels techniques, aux arbitres et formateurs aussi, et qui va s'étendre sur 2 mois, qui commence donc ce 22 mars dans la province de Langounié, précisément à Mouila. C'est pour renforcer les effectifs au niveau donc de ces officiels techniques qu'on a remarqué qu'il y avait un déficit. Donc la Fédération Gabonaise de Basketball a pensé à le faire. Ça fait partie des axes de notre projet de campagne à l'époque qu'on met en pratique après le temps mort qui s'est très bien passé. Maintenant nous sommes au niveau des formations et il faut dire aussi qu'au cours de ces formations on va lancer la Ligue Provinciale de la Nyanga qui n'existait pas avant, ce sera la première fois donc, et on va la mettre en pratique cette activité. Il faut dire qu'on a eu le soutien de la tutelle par l'Office National du Développement du Sport et de la Culture qui nous a tendu la main et qui nous accompagne tout au long de ces 2 mois de notre caravane. Cette session de formation se referme avec vous, Guy Karel Bokona Mangala. À la une de l'actualité de ce 8h, le vaste coup de filet des éléments de la police d'investigation judiciaire. Ils viennent de mettre la main sur les auteurs présumés de l'homicide au cours d'une rixe d'un compatriote à Mindobé et de braquage à l'arme blanche ayant occasionné mort d'homme au lycée Paul Ndjigodjou et derrière l'ambassade du Cameroun. Après l'estuaire et l'Ogoué maritime, le gouvernement gabonais avec l'appui financier de la Banque mondiale vient de boucler par la province du Moyen-Ogoué la série de remises des sites aux entreprises adjudicataires et procéder au lancement officiel des travaux de réhabilitation des forages dans une vingtaine de villages, regroupement de villages et districts. Et puis au Niger, la Cour constitutionnelle déclare Mohamed Bazoum vainqueur du second tour de la présidentielle du 21 février dernier avec 55,66% des suffrages. À la technique ce matin, il y avait l'incontournable Michel Bokango, à la réalisation Issa Steve Mefan, à la collaboration rédactionnelle Bruce Walker Mapoma. La page sportive était animée à l'instant par David Maguena la Panthère. Moi je suis Guy Karel Bokona Mangala et j'aurai le plaisir, l'immense plaisir même, de vous retrouver demain dès 7h. Mais en attendant, je vous laisse méditer sur ce proverbe africain: l'hospitalité est un trésor. Merci d'avoir été des nôtres et bon confort d'écoute sur Radio Gabon, la référence. Merci Guy Karel, merci, très bonne journée à vous. À demain, avec le même plaisir bien sûr. Restez avec nous, bonjour le Gabon, on continue. Attention, dans un moment, je l'ai annoncé aux prémices de ce programme et comme tout le monde dit, comme chaque début de semaine, Dieudonné sera chez vous. À tout de suite.